Caroline Robb, qui a travaillé au palais de Kensington à partir de 1989, a révélé que Lady Diana avait un petit rituel pour faire plaisir au prince Harry lorsqu'il était enfant. Malgré leur statut au sein de la royauté britannique, Lady Diana a toujours fait en sorte que les princes William et Harry mènent une vie des plus simples. Véritable mère poule, il se trouve que la princesse de Galles redoublait également d'attention pour faire plaisir à ses fils. Et notamment au prince Harry, pour qui elle avait mis en place un petit rituel. Caroline Robb, qui a travaillé dans les cuisines du palais de Kensington à partir de 1989, a révélé au Sunday Times que l'époux de Meghan Markle, raffolait de la tarte à la mélasse lorsqu'il était enfant. Si bien que pour son plus grand bonheur, Lady Diana faisait elle-même ses petites pâtisseries rien que pour lui, qu'elle mettait ensuite au congélateur afin de ne jamais en manquer. Une délicate attention pour le petit garçon, qui a plus d'une fois usé de stratagèmes pour pouvoir manger des tartelettes en dehors des repas. Caroline Robb rapporte alors qu'une fois, le prince Harry est entré dans la cuisine de Kensington et a demandé une tarte. Tandis qu'elle n'était pas sûre de pouvoir lui en donner, elle lui a demandé d'aller poser la question à Lady Diana. Le prince Harry est alors revenu quelques minutes plus tard avec un mot écrit par la princesse où il était écrit « Maman a dit que c'était bon ». Caroline Robb explique alors que le petit garçon avait réussi à charmer sa mère afin de pouvoir manger une tarte à la mélasse. Et quoi qu'il ait dit à Lady Diana pour arriver à ses fins, il semblerait que cela ait fonctionné. On your